Terre Gouvernement Intersyndical National de l'Administration Publique ont été lancés hier lundi 11 septembre 2023 par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Question de favoriser le dialogue social permanent. C'était à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe. Patti Tondouango et bienvenue de Salah ont signé ce reportage. Organisé par le ministère de la fonction publique sous le patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces assises de 5 jours ouvertes par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge visent la modernisation de l'administration publique. Il sera donc question d'évaluer les différents protocoles d'accord signés entre les parties de 2015 à 2021 pour le maintien de l'harmonie et de la cohésion sociale au niveau national. Le chef du gouvernement a rassuré l'intersyndical de rester attentif aux différentes délibérations des sous-commissions. Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge reste confiant quant à la lumière qui va jaillir de ces consensus. Je me réjouis pour cela que la culture syndicale dans notre pays ait atteint le seuil de maturité qui permet de maintenir les revendications sociales dans les limites du cadre budgétaire. Il n'en demeure pas moins vrai que cet environnement, cette idée doit être mise à contribution par le banc syndical pour traduire du mieux possible, sans complaisance aucune, les désiderata des agents de carrière des services publics de l'État. Car le gouvernement que je dirige, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ne tire sa raison d'être que dans la satisfaction optimale des besoins du souverain primaire, avec espoir de voir la lumière du consensus jaillir, du choc des idées. Et ici, je voudrais mentionner effectivement tout l'intérêt que le gouvernement porte à son administration publique. Sans administration et sans vous, il serait difficile et même utopique de rêver d'un Congo grand et prospère. Vous êtes le socle sur lequel nous nous appuyons pour construire notre beau et grand pays. Cette commission paritaire gouvernement banc syndical dans toute sa diversité pour un dialogue social permanent est l'une des recommandations du chef de l'État à tous les détenteurs de l'autorité de l'État, a martelé le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Malgré quelques inquiétudes exprimées, le président de l'intersyndical de l'administration publique a reconnu l'engagement du président de la République dans la marche vers la rénovation et la redynamisation dans la gestion de l'appareil de l'État et dans l'amélioration progressive des conditions de vie et de travail au sein de l'administration publique. Et la République démocratique du Congo et l'État israélien veulent améliorer les liens de collaboration dans le secteur agricole. L'ambassadeur israélien est venu partager avec le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, les technologies agricoles utilisées dans l'État hébreu qui dispose de 60% de terres désertes. C'était ce mardi dans le cabinet de travail du ministre. Marie Calang a signé ce reportage. Avec une étendue de 60% de terres désertes, l'État israélien a pu développer une technologie en matière de culture en milieu aride. Une expérience que l'État hébreu veut partager. Voilà qui justifie la visite de l'ambassadeur d'Israël auprès du ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda. Question d'échanger sur des voies et moyens de développer ces technologies agricoles en RDC. Yeah, because first of all, to visit la visite au ministre de l'Agriculture, c'est pour développer des voies et moyens afin de collaborer en termes d'agriculture, parce que l'État d'Israël est un pays qui a 60% de sa terre déserte. Le défi que nous avons là-bas dans notre pays, nous ont aidé à créer des technologies agricoles vraiment très avancées. Et comme de bons amis, l'État d'Israël et la République démocratique du Congo, nous voulons travailler ensemble afin de pouvoir développer des meilleures solutions agricoles dans ce pays.
Déjà, quelques stratégies ont été élaborées par les deux personnalités. C'est ma première visite avec messieurs les ministres, mais c'était comme si on se connaissait de longue date. Alors ensemble, nous avons parlé à niveau macro et au niveau micro sur le plan et développement que nous allons travailler ensemble pour aboutir. Alors, nous avons même maintenu des relations très personnelles afin que puisse développer l'agriculture dans ce pays. Le ministre Mpanda, qui fait de la revanche du sol sur le sous-sol son cheval de bataille, a dit sa détermination de développer ses technologies agricoles au pays de Lumumba. Ouverture hier lundi 11 septembre 2023 de la télé nationale de lancement et de validation du registre des sociétés coopératives à Kinshasa. Et c'est le ministre de l'Agriculture qui a lancé ces travaux. Autre détail avec Jean-Pierre Demazou. Cet atelier a comme objectif global la validation du registre d'immatriculation des sociétés coopératives en RDC, ce en vue de son opérationnalisation dans les jours à venir. Les objectifs spécifiques sont quant à eux le paramétrage du Service national des coopératives et organisations paysannes pour aboutir à la création d'un guichet unique d'immatriculation des sociétés coopératives en RDC. Le ministre José Panda de l'Agriculture, qui a représenté son collègue, le ministre d'État en charge du développement rural, circonscrit cette manifestation. Ces travaux restent bénéfiques non seulement pour la population paysanne, mais également pour les gouvernants que nous sommes, pour qu'on arrive à mettre ensemble des synergies et arriver à soutenir la population paysanne qui y reste et de 70% de toute la population congolaise ensemble. Cet atelier est financé par l'Agence de coopération internationale de l'Association des communes néerlandaises qui veut soutenir l'action des petits producteurs regroupés en coopérative. Le directeur de programme de l'Agence néerlandaise, Mousaliwa Lochi, le confirme. Nous implémentons un programme qui appuie les sociétés coopératives beaucoup plus dans le secteur de l'agriculture. Le but maintenant de cet atelier est que d'amener le gouvernement congolais à s'aligner dans les prescrits de l'acte uniforme OADA relatif aux sociétés coopératives, de manière à leur conférer un statut juridique propre aux sociétés coopératives. Ce soutien aux petits producteurs concerne non seulement le secteur de l'agriculture, mais aussi l'ensemble de l'économie congolaise. Un tour d'actualité dans les provinces. D'abord dans le Nord Kivu, où consécutivement aux événements malheureux survenus le 30 août dernier à Goma et en causé mort d'homme, le Barça intercommunautaire lance un message de paix et appelle la population à la cohabitation pacifique avec les FARDC. Images et commentaires. Message de paix de Barça, la voisin intercommunautaire du Nord Kivu, à l'issue de la réunion du comité provincial de sécurité élargi au président et délégué des communautés du Nord Kivu de ce 11 septembre 2023. Sur invitation de son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu, les présidents et représentants des communautés du Nord Kivu ont pris part à la réunion du comité provincial de sécurité de ce 11 septembre 2023. À l'issue de celle-ci et après analyse de la situation sécuritaire qui prévaut en province du Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier, il ressort qu'il n'est plus le moment d'appeler la population à l'observance des villes mortes, en ce sens que ces dernières se transforment toujours à des dérapages conduisant à des pertes en vies humaines et des biens matériels des populations déjà meurtries. En effet, nous appelons la population de Goma au calme, à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Et dans la province du Haut-Uele, bientôt un plan de développement. Les travaux de son élaboration ont été présidés par son vice-gouverneur. Le point avec Jacques Ababa.
C'est sur demande du gouverneur de la province du Haut-Tuélé, Christophe Bassiani Nanga, que le vice-gouverneur Christian Pitanga Mangandro a lancé en la salle polyvalente de la résidence du gouverneur les travaux de l'atelier sur l'élaboration du plan de développement provincial. Nous aurons tous fait œuvre utile à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre population, l'accessibilité aux services publics de qualité et la création des richesses à travers notre participation active. 30 jours, c'est la durée de cet atelier pour un plan qui va couvrir la période allant de 2024 à 2028. Le ministre provincial du plan, Patrick Bakétanine, qui le supervise, indique leur finalité. C'est ici le lieu de saluer les efforts inlassables du gouvernement provincial, conduit de main de maître par son excellence, monsieur le gouverneur de province, l'honorable Christophe Bassiani Nanga, qui fait du Haut-Tuélé ses jours un vaste chantier des infrastructures et édifices publics. Les travaux qui s'ouvrent ces jours auront l'avantage, entre autres, de renforcer les capacités des principaux acteurs sur la planification, de renforcer le leadership des autorités provinciales dans le développement de leurs entités respectives et de doter la province du Haut-Tuélé de son tout premier plan de développement assorti d'un plan d'action prioritaire. Participent à cette cérémonie les membres du gouvernement et de l'Assemblée provinciale, des experts du ministère national du plan et ceux du PNUD, les chefs des divisions de l'administration publique, les représentants des confessions religieuses et de la société civile confondue, ainsi que d'autres experts locaux. La faible représentativité de la femme dans les instances de décision dans la province de l'Ituri a fait l'objet d'un atelier de renforcement de capacité sur le cycle électoral en prévision des élections de décembre 2023. 50 femmes leaders et candidates prennent part à ces assises. Un reportage signé Junior Sélémane. Les femmes sont moins représentées dans des postes de prise de décision. À l'Assemblée nationale, 2 femmes ont été élues, tandis qu'à l'Assemblée provinciale, on a compté 3. Au regard de ces faibles taux, la participation de la femme dans la gestion de la chose publique s'avère indispensable. Motif de l'organisation d'un atelier de 2 jours qui a ouvert ce mardi en ville de Bougna. Elles sont au total 50 femmes politiques, jeunes femmes et leaders de la société civile qui prennent part à ces travaux de renforcement de capacité sur le processus électoral, leadership et la communication politique en prévision des élections qui pointent à l'horizon d'ici décembre. En RDC, cette initiative de la MONUSCO est saluée par l'honorable Julie Adabaï, rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, et madame Naomi James Odu de la Convention fédérale du Congo, CFC en sigle. La femme, sa réussite, c'est la réussite de la société, non seulement de la femme, mais de tous. D'ici là, quelques mois que nous allons aux élections du décembre, les femmes devront privilégier à accorder leur voix aux femmes, leurs semblables. Et je dis courage à toutes les femmes ituriennes. Donnons-nous cette fois-ci ce courage-là d'être parmi les hommes et de nous défendre aussi en tant que femmes et surtout femmes ituriennes. Comme vient de dire l'intérimaire gouverneur, que le pouvoir ne se donne pas, mais le pouvoir s'arrache. Et cette fois-là, nous nous sommes décidés d'arracher ce pouvoir. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire d'honneur Raoul Tchaloui, qui a ouvert le travaux, en a profité pour encourager les femmes à se lancer massivement dans la vie politique pour porter la voix de leurs semblables à tous les niveaux. Et après plus d'un demi-siècle, la commune de Mangobo-Sengama, dans la ville de Kisangani, nous sommes là dans la province de la Tchopo et à désormais des bornes fontaines de la régie des eaux, un geste humanitaire rendu possible par Eli Kayembe Moulaya, fils du terroir. Leur visage, la joie est palpable. Ces habitants du bloc Kalimasi, quartier Sengama, dans la commune Mangobo, cette partie de la ville de Kisangani, qui a longtemps manqué d'eau potable, vient d'être raccordée au réseau de distribution d'eau de la régie des eaux et bénéficie d'une borne fontaine. Don de maître Eli Kayembe Moulaya, natif de la ville de Kisangani. À ce jour de la coupure du ruban symbolique, la délégation de ce digne fils de la Tchopo explique le bien fondé de ce geste et invite la population à l'utiliser à bon escient. Un geste d'humanisme qui va droit au cœur des bénéficiaires. Ainsi, au nom des habitants de ces coins, le chef de quartier Sengama remercie maître Eli Kayembe Moulaya, le bienfaiteur. Il a fallu 51 ans pour que nous ayons de l'eau potable.
Cette journée reste historique. Effectivement, l'eau, c'est la vie. Déterminé à servir sa population dans la mesure du possible, Maître Eli Kayembe Moulaya prend en charge la facture d'eau jusqu'au mois de décembre de l'année en cours. En outre, les gros du travail ayant été réalisés par ces raccordements, les ménages auront désormais la facilité de ramener de l'eau à leurs parcelles respectives. Présent dans la province du Lualaba où de nouvelles conditions d'apprentissage qui vont permettre aux élèves d'aiguiser leurs connaissances. Il y a peu, l'ancien bâtiment avait été emporté par des fortes pluies et grâce à la volonté de François Magwéji, une nouvelle bâtisse vient de sortir de terre et inaugurée par le ministre provincial de l'EPST de la province. Sur ces images, l'on peut voir ce qu'on appelait autrefois l'épée Ipanga. Nous sommes dans les quartiers moussonois, dans la commune d'Ecologie, province du Lualaba. Après une touche de réhabilitation et de rénovation, voici l'école primaire Ipanga, renaître de ses cendres, cette fois-ci en répondant aux standards internationaux. En présence de la bourgoumestre des Dilala, des autorités politico-administratives, des acteurs de l'éducation et de la communauté locale, le ministre provincial de l'EPST procède à l'inauguration. Maintenant que nous sommes en train d'inaugurer cette école, où nos enfants vont suivre les cours, un enseignement de qualité, et encore quelque part, les enfants qui sont en train de souffrir. Financé par la redevance minière, la bourgoumestre de Dilala s'est félicitée. Comme nul ne l'ignore, m'inscrivant dans la vision du chef de l'État, le peuple est d'abord... Et en boitant le pas au projet du PDL 145 territoire, il m'a paru salutaire de répondre pratiquement et à temps réel à l'un des besoins des habitants du quartier Moussonor, savoir construire une école moderne afin de soulager aussi les apprenants que les parents. Dans cet élan de soutien à la gratuité de l'enseignement, cheval de bataille du président de la République. Cette nouvelle acquisition va permettre aux élèves des Ipanga non seulement de bénéficier de la gratuité de l'enseignement, mais vont également évoluer dans les meilleures conditions pour leur apprentissage. En appui à la gratuité de l'enseignement primaire prôné par le chef de l'État, Emmanuel Makinda, cadre du parti politique ACB, a fait un don des kits scolaires aux élèves du territoire d'Ilebo, dans le Kassai, à l'occasion de la rentrée scolaire 2023 à 2024. Images et commentaires. Un fils du terroir, Emmanuel Makinda, vient en aide aux élèves du territoire d'Ilebo pendant cette période de la rentrée scolaire où de nombreuses familles éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leur devoir, celui de scolariser leurs enfants. Domaï Mounene, Maranga, Domaï Kachocho, en passant par Bachipanga, Emmanuel Makinda, ce jeune que l'on a surnommé la résurrection de l'espoir d'Ilebo, a remis des bancs pupitres aux écoles où les élèves étudiaient dans des conditions peu confortables. Plus de 300 tôles ont été également distribuées dans certains établissements d'enseignement primaire d'Ilebo par lui. Dans un échange avec les notables d'Ilebo, Emmanuel a demandé aux uns et aux autres d'accorder un second mandat au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors des élections de décembre prochain. Vous savez que le chef de l'État, quand il a été élu et il a prêté serment, il tentait de marteler sur l'attitude de l'enseignement. Et nous, comme jeunes, nous pensons soutenir le chef de l'État, accompagner le chef de l'État. Nous avons jugé bon d'accompagner cette gratuité-là en appuyant les écoles, les élèves avec le kit scolaire de fourniture. Makinda Emmanuel est candidat à la députation provinciale sur la liste du parti politique ACB, dont Guy Mafata Kabongo est autorité morale. Revenons à Kinshasa où la municipalité de Ngaliema s'apprête à faire face aux violences pluies et à amortir le choc. Et pour ce faire, le bourgmestre de cette commune a lancé une vaste opération d'assainissement dans plusieurs quartiers, notamment le curage du pont de la rivière Mbinza. Cédric Enina, reportage. Diriger, c'est prévoir. Prévoir, c'est aussi évaluer en amont. La pluie s'annonce et les quartiers Munganga, Malweka et Mamayemo dans la commune de Ngaliema seront certainement en danger. D'où ces travaux d'assainissement initiés par l'autorité municipale. Dieu merci Maï Basilo Anga, lui-même
bêche et pelle en main pour sarcler, débroussailler l'environnement obstrué par des déchets. Le cas du pont sur la rivière Binza qui se jette sur le majestueux fleuve Congo. Aujourd'hui, nous avons programmé un méga salon dans ce pont ici. Question d'abord de protéger notre ouvrage parce que pour construire de telles infrastructures demande beaucoup de moyens. Le développement, c'est l'implication de tout un chacun. S'ils veulent un jour que nous puissions vivre dans un environnement sain, mais aussi respirer de l'air qui est propre, la population riveraine doit s'impliquer. L'action publique doit s'accompagner des sanctions contre les récalcitrants. La police qui doit accompagner l'action publique, il doit être là au rendez-vous. Tous les gens qui vont essayer de jeter les immondices, ils doivent les traquer. Et si ils ne payent pas les amendes telles qu'édictées par la loi, on doit les ramener au niveau de CPRK et ça servirait certainement de leçon. Il y avait les immondices partout, comme vous allez les sentir, maintenant le pont est ouvert. Je pense qu'à la saison pluvieuse, nous n'aurons pas de problème sur les inondations. Une fois la voie dégagée, la rivière Binza pourrait évidemment charrier l'eau des puits vers les fleuves Congo sans trop de dégâts dus aux éventuelles inondations, source des situations souvent dramatiques. Et à la rescousse des écoliers du district de la Conga, le conseil du chef de l'État au collège des mines et énergie a remis des fournitures scolaires à quelques quartiers de la commune de Ngalema, à savoir Sangamamba, Mboadi, Masisi et Ngomba Kikusa. Un commentaire de José Baïtouabo. Dans sa démarche salvatrice de doter les enfants de fournitures scolaires pour une rentrée de classe harmonieuse, même aux plus démunis, Patrick Kawara remet pour une énième fois des fournitures scolaires, ou cette fois à la base de Sangamamba, Boadima Sisi et Ngomba Kikusa, dans la commune de Ngaliema. Préoccupé de bien-être de tous les enfants en âge scolaire, celui qu'on appelle affectueusement l'homme de développement à la base a exhorté le parent de suivre de près l'éducation de leurs enfants. Pour voir votre enfant réussir dans la vie, les parents doivent s'assurer de leur scolarité. Réjoui par cet acte, Zeko Temo Tete n'a pas manqué d'expliquer le pourquoi de cette vision. Je suis envoyé au nom de papa, nous partageons le peu que nous avons, comme il est recommandé dans les Saintes Écritures. Voilà de quoi faire réagir certains bénéficiaires. Papa Kawara, dont vous entendez souvent parler et avec nous aujourd'hui, il est à la base du développement de ces quartiers. Nous lui demandons de ne pas nous abandonner. Nous sommes derrière lui. Merci. C'est avec enthousiasme, joie et allégresse que cette activité s'est clôturée. Une façon pour Patrick Kawara de soutenir la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo, prônée par le premier de citoyens, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, passons à présent à cette réunion sécuritaire entre le bourgmestre avec les 26 chefs coutumiers au groupement de Mbekama sur les conflits coutumiers et la situation sécuritaire dans cette partie de la capitale. Nous sommes dans la commune de Mongafula. Les détails dans ce reportage que nous proposent Joël Kayembe et Pascal Chichot. Ils sont à la tête de plus de 26 villages réunis au sein du groupement Mbekama. Avec cette visite du bourgmestre de Mongafula, ces responsables des terres ont sans détour présenté leurs préoccupations et besoins. Nous sommes honorés, le bourgmestre est porteur d'un message de l'unité. L'électricité et la desserte en eau potable vont favoriser le développement de nos regroupements. Bisso, ma chef, coutumier. Pour Séverin Lumbu Malamba, l'unité nationale est primordiale. Et nous marchons toujours selon la vision du chef de l'État, qui est un rassembleur. Vous savez bien que Mongafula a des sérieux problèmes de conflits. Nous sommes dit qu'il fallait attaquer les conflits à la source, réunir tous les chefs coutumiers dans leurs groupements respectifs, parler avec eux, les moraliser, les aider à aller de l'avant pour que leurs entités soient développées. Aux habitants de ces regroupements qui existent depuis l'époque coloniale,
l'autorité communale a demandé de privilégier les valeurs en cette période où le pays se dirige vers les élections d'ici décembre prochain. Et puis, le centre hospitalier Libikissi de la commune de Bandalungwa vient d'être doté d'une ambulance médicalisée neuve pour assurer la prise en charge des urgences en manière efficace. Un don de l'église du Christ au Congo. D'autres détails dans ce reportage de Serge Merlin-Mata. Avec une capacité d'accueil de plus de 120 personnes assises, la nouvelle chapelle de la présidence nationale de l'église du Christ au Congo est un nouveau lieu de culte au service de la communauté religieuse protestante qui ne cesse de croître lors de sa prédication intitulée « La soif d'habiter dans la maison de l'Éternel » tiré du livre des psaumes de David. Au chapitre 23, le président national et représentant légal de l'église du Christ au Congo a mis l'accent sur la puissance et les bienfaits d'être dans la présence de Dieu. Le révérend Dr André Gédéon Bukundoa Bolikabi a exhorté les fidèles protestants au pardon, à la cohésion et à s'approcher davantage de Dieu afin de recevoir les faveurs divines de Dieu dans leur vie. L'événement a été salué par toute la communauté d'églises protestantes en République démocratique du Congo. Il s'en est suivi la remise officielle d'une ambulance médicalisée flambant neuve au médecin directeur du centre hospitalier Libikissi de l'église du Christ au Congo située à Bandal-Chibangu. Nous bénissons le Seigneur pour cette chapelle et souvent il y a cette difficulté de la mobilité des malades, soit qui doivent venir vers l'hôpital ou quand l'hôpital transfère vers d'autres centres. Voilà pourquoi la présidence nationale a décidé de doter ces centres de ces instruments de travail. L'aide pour la réhabilitation et la situation actuelle de l'Institut de Lingwala était au centre des échanges entre les présidents nationaux et représentants légaux de l'église du Christ au Congo et une délégation des anciens élèves de cet établissement d'enseignement primaire, secondaire et technique. 12 septembre 1887, 12 septembre 2023, 136 ans déjà depuis la disparition du père fondateur de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu. Aujourd'hui à Kinshasa, au centre d'accueil de cette église à Kassavubu, les fidèles ont pris part à un culte d'action de grâce en mémoire de Simon Kimbangu. Iverson Kabwaba, Teti Samba ont signé ce reportage. Un double événement à l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu ce 12 septembre, marquant à la fois la naissance de Simon Kimbangu en 1887 et son arrestation en 1921 par les colons belges, voulant l'empêcher d'exercer sa mission pastorale. En cette date commémorative de son 136e anniversaire, les fidèles kimbanguistes venus des différentes églises de la capitale Kinshasa, ils se sont tous donné rendez-vous au centre d'accueil kimbanguiste dans la commune de Kassavubu pour célébrer un culte d'action de grâce en mémoire du pionnier de l'église. Bien avant, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Tiangani, a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette rencontre, Simon Kimbangu Tiangani a fait part au chef de l'État de la construction d'un mémorial en hommage à toutes les victimes qui ont accompagné Simon Kimbangu dans sa lutte pour la liberté de l'homme noir. Il a également remercié le président de la République pour l'attention particulière qu'il accorde à la réhabilitation de la route d'Nkamba qui, dit-il, occasionnera un flux de visiteurs et pèlerins pour son honneur et celui de toute la nation congolaise. Les experts de l'ONU Habitat et ceux de l'Institut national des statistiques à l'école pour renforcer leurs capacités, une formation organisée conjointement par l'ONU Habitat et l'INES. Mamita Bangoulou, reportage. Une semaine a suffi pour les experts fonciers de se pencher sur les progrès réalisés sur la sécurité des droits fonciers d'ici 2024. En RDC, le projet est piloté par l'Institut de concert avec les institutions nationales et internationales du secteur foncier. L'ONU Habitat se réjouit des résultats obtenus jusque-là. L'apport des experts dans la validation de ces documents est salué par le directeur général de l'Institut national des statistiques. Ils ont fait un bon travail sur la collecte des données sur les indicateurs fonciers et nous espérons que dans les jours à venir, on travaillera ensemble sur ces données. Sans les statistiques, le pays ne peut pas se développer et nous allons aussi nous appuyer sur le travail fait sur terrain pour produire des données statistiques fiables
pour la RDC. C'est un bon document qui peut aider le gouvernement et la population congolaise à ne plus avoir des conflits sur le domaine foncier. Les participants à ces assises ont livré leurs impressions. L'atelier de validation consistait à parler sur les pratiques du foncier, les principes fondamentaux, l'étude sur les données dont on a besoin pour les statistiques, et afin de bien devoir projeter l'accompagnement du secteur foncier pour le bien-être de tous les Congolais et tous ceux qui vivent sur le sol congolais. Les assises se sont clôturées par une ambiance conviviale. Félix Tshisekedi, plébiscité candidat président aux échéances à venir par la formation politique du ministre Moïndo Nzangi, c'était lors de l'Assemblée générale de ce parti politique qui réaffirme son soutien aux actions et réalisations du garant de la nation. Quelques mots de la présidentielle de 2023, le soutien à la candidature de l'actuel chef de l'État ne cesse de pleuvoir. Félix Tshisekedi, actuel chef de l'État investi candidat président aux élections de décembre 2023 par cette formation politique, cher au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, membre de l'Union sacrée. Les raisons évoquées, le bilan élogé du président de la République qui ne cesse d'impacter le quotidien de Congolais. Notre candidat président s'appelle Antoine Félix Tshisekedi. Occasion aussi de présenter ses candidats aux législatives et municipales. Au nombre de candidats en note, Nancy Moindo, président de l'association de voix qui élise, aussi cadre au sein de l'AVERP. Ceci est un message de solidarité pour démontrer à toute la ville de Kinshasa ainsi que dans toute la République démocratique du Congo que nous sommes derrière le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la prochaine présidentielle et lui offrir un second mandat. Sans condition. Félix Tshisekedi ou rien, cette formation politique s'y donne comme mission de mouiller leurs maillots pour une victoire écrasante du garant de la nation aux échéances à venir. Le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière du vendredi 15 septembre 2023 à 11h précises dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte un seul point, à savoir ouverture de la session ordinaire de septembre 2023. C'était signé par Michel Kanimbu Shindani, rapporteur. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de votre attention et merci à toute l'équipe technique pour la production de ce journal. Autre édition d'information à 20h dans une présentation de Françoise Bouela-Bouaki. Au revoir.